si la compagnie des autres devient impossible, si vous avez la possibilité de partir, moi ce que j'ai fait toujours, donc, quand j'étais dans un lieu qui devenait trop dur, si j'avais la possibilité, je dis, voilà, je suis responsable de moi-même. C'est moi qui est responsable, pas l'école, pas les autres. Moi, je suis responsable de moi-même. Je ne peux pas accuser les autres. Donc, je prends la décision de là. Pour trouver mieux des conditions meilleures. Mais si c'est impossible, je suis obligé de rester dans un lieu avec de mauvaises conditions. À ce moment-là, je dois m'armer, protéger, utiliser les armes qui sont disponibles à tous les niveaux. Au niveau du corps, des émotions, de ma tête. Et le cœur. Et surtout écouter son cœur. Et alors, les pensées. C'est les pensées. On va changer ses pensées si c'est possible. Parce que c'est les pensées qui créent les problèmes. Parce qu'il y a des gens qui ont été torturés. Cilvēki, kas ir bijuši špīdzināti, piemēram, Soskats, viņš tika špīdzināts, viņš nevarēja nekur aiziet, kur viņš nevarēja izmainīt šo situāciju, bet viņš izmainīja, kad les bourreaux lui demandaient heureux, kad viņam viņa, teiksim, šie mocītāji prasīja, vai tu esi laimīgs, viņš teica jā. Est-ce que tu aimes? Mais tu m'aimes? Plus que jamais. Vaira, kā jebkad. Il dit que c'est grâce aux tortures qu'il aime plus ses ennemis. Viņš teica, ka pateicoties kādēļ tieši šīm mocībām viņš mīlēšos savus mocītājus. Je ne peux pas témoigner parce que je ne suis pas allé aussi souvent que lui. Nevaru to liecināt, jo es neesmu tik tālu bijis. Tous les témoignages que j'ai lus ou rencontrés. Visas liecības, ko esmu lasījis vai sastapis. Qui vivaient dans les situations dites impossibles, c'est qu'il était capable de vivre des choses terribles. Donc l'homme est capable, avec Dieu, de vivre des choses très dures, même avec joie. Il y a une dame qui prie pour nous. Elle s'appelle Thérèse. Elle prie pour nous. Et elle vit des souffrances terribles. On s'écrit tous les jours. Tous les jours. Moi, je demande même plus comment vas-tu. Parce que je sais qu'elle va mal. Mais je la provoque. Je fais beaucoup d'humour. Je fais l'humour avec elle. Elle aime bien. Elle fait l'humour avec moi aussi. Et alors, moi j'ai toutes ces lettres. Hein, j'ai toutes les lettres que je pourrais vous lire. Alors, si je résumerais ces lettres. Voilà, cas extrême. Le cas extrême. La situation extrême. Elle dit voilà, elle m'écrit. Je suis sous la croix. Je suis crucifié. Je ne peux rien faire. Je suis maman. Tu es un mari, des petits-enfants, c'est triste, c'est dur, c'est très dur.
supporte plus, je n'en peux plus. Jo es vairs to visu nevaru izturēt. Viņa uzrakst šīs emocijas arī. Alors, quand j'ai dit ça, je disais, oh, qu'est-ce qu'elle va? Elle veut se faire pitié de cette femme. Elle s'est fait comme ça, là, parce que je suis aimé. C'est quelque chose. Là, il faut quoi? Parce que je me sens aussi impuissant devant cette situation. Et voilà, tu attends un jour. Alors, ce n'est pas la même femme écrit. Voilà, Jésus me parle. Jēzus man runā. Est-ce que tu crois que Jésus me parle? Vai tu tici tam, ka Jēzus man runā? Ah, oui. Es saku, jā, jā. Qu'est-ce qu'il te dit? Ko viņš tev saka? Ah, il te dit qu'il m'aime beaucoup. Viņš man saka, ka viņš man ļoti mīl. Je suis si bien avec lui. Man ir tik labi kopā ar viņu. Moi, je suis tout étonné. Je dis, comment est-ce possible? Oui, c'est à la plainte totale. Es tā domāju, kāds varbūt, ka vienu dienu tās bija vislielākā žēlums. Es n'en peux plus. Es vairs nevaru. Et des choses comme ça, tu ne sais pas combien Dieu est à nous. On comprend Jésus seulement quand on est sur la croix. Pour moi, ça me dépasse que j'entends des choses comme ça. Et vous, que Dieu vous dise. C'est bien. Mais alors, elle dit, avec le goût, tu ne peux pas arrêter un peu ta mission. J'aurais moins de souffrance. Hein? Chaque fois que tu as des missions, des retraites, moi je dois souffrir. Et moi je lui dis, tu n'as pas besoin. Moi je ne te demande pas de souffrir. Es viņai saku, rakstu, es taču neprasu, lai tu ciestu. Si tu veux plus souffrir, tu vas arrêter souffrir, si tu veux. Nu, ja tu teiksi, spēj, ka tu varētu neciest. Je dis simplement, cette femme est une femme normale, c'est pas une mystique. Tā ir normāla sieviete, nav kaut kāda mistiķa. Elle dit, je ne veux pas souffrir. Es saku, nē, es negribu ciest. Je ne veux pas être martyr. Es negribu būt mocekļa. Une femme normale. Normāla sieviete. Pas une grande sainte. Neliela svētā. Mais maintenant, elle souffre tellement. Tagad viņa tik ļoti cieši. Tā augmente tellement. Es tik ļoti pieaugu. Qu'elle est presque obligée d'être mystique. Viņai gandrīz ir spiesta kļūt par mistiķi. Pour survivre. Lai izdzīvotu vispār. Elle m'écrit toujours des choses drôles. Je vais vous montrer. Voilà, je vais sur Facebook montrer ce qu'elle fait. Pour montrer un peu comment une femme. C'est un exemple. Et donc, je suis toujours étonné comment est-ce possible qu'une femme qui souffre tellement peut dire des choses si. Il est presque terminé, mon ordinateur. J'ai besoin de le charger un peu. Mais donc voilà, je connais beaucoup de gens comme ça qui souffrent. Je connais beaucoup de gens comme ça. Et j'ai vécu avec des personnes handicapées. Qui se frappaient la tête contre le mur. Et je dis, et alors, deux jours ou trois jours après, cette personne même, la même, rayonne de bonheur. Comment est-ce possible? Et je comprends que son bonheur vient de sa souffrance. C'est un grand mystère que ceux qui ont souffert le plus en sont aussi des gens qui ont le plus grand bonheur. Tiešus vairāk arī piedzīvokis lielāko laimes spēcīgāko. Et donc, je suis étonné que ces gens-là rayonnent, ils ont une sagesse nouvelle. Šiem cilvēkiem ir gudrība. Jauna gudrība.
Facebooka. Serbskos viņa no Facebooka. Ko tēļ? Alāpāl. Mal, mal. Ale viņam nu nebūtu slikti, no teiksim.
Nežinau, kas šis bubo, ja. Alors, puisqu'il veut toujours parler, parce qu'il dit, voilà, je vais mal et j'ai justement besoin de parler à quelqu'un. Non, je dis, maintenant, j'ai besoin de dormir parce que je dois donner récollection. Je dois bien dormir. Donc, je dis, voilà, bonne soirée, ma chère madame. Je veux toujours, cette femme est très positive. Alors qu'elle souffre beaucoup. Bet viņu tieši ļoti, ļoti stipri. Beaucoup d'amour. Jā, daudz mīlestības. Et puis bon. Viņa arī lūdzās. Peut-être on peut faire un peu de prière pour elle. Varbūt mēs arī varētu, kad būtu viņai vienu. Oui, pour la soulager. Bet Dievs viņu atvieglo. Ceux qui savent, c'est un autre corps. Non, non. Les autres prient normalement. Voilà, vous êtes avec moi. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, par l'aide de sur la Vierge Marie, nous demandons la grâce de soulager Thérèse. Et réveille-toi toi-même ton visage. Accorde du bonheur à elle et à sa famille. Protège-la de toutes des tentations de suicide. Neaizsargā viņu no jebkādiem pašnāvības kārdinājumiem. Habille de tous les armures qu'elle a besoin pour résister. Iedzer viņu savās bruņās, lai viņu varētu pretoties. Iedzer viņu savās bruņās, lai viņu varētu pretoties. Nous te remercions, Père, ce que tu es en train de faire. Mēs tev pateicamies, Tēvs, par to, ko tu dari šobrīd. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, par to, ko Tu dari šodien. Nous demandons aussi de bénir tous ceux qui prient pour nous. Mēs lūdzam svētī visus tos, kas lūdzās par mums. Mēs lūdzam svētī visus tos, kas lūdzās par mums. Surtout ceux qui vivent des choses plus difficiles. Īpaši tos, kas piedzīvo lielas grūtības. Īpaši tos, kas piedzīvo lielas grūtības. Bénis notre soirée. Svētī šo vakaru. Et demain la dernière journée. Rītdienas mūsu pēdējo rekolekciju dienu. Amen. Et bénis le repas que nous prenons. Svētī šo maltīti.